de Lynn Matson. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas? Chapitre 1. Charlet, 10 août, midi. La chaleur. Une chaleur dévorante, inexplicable, étouffante comme la fumée, brûlante comme le feu. C'est la dernière chose dont je me souvienne avant que les flammes invisibles ne me précipitent dans un néant glacé. Ça, est une pensée un peu folle. Si je survis à cet incroyable feu de joie, mon père va être dans tous ses états en voyant que je n'ai pas ramené la voiture à l'heure. Charlet, 10 août, 11h56. Je crève de chaud. Ça faisait à peine une minute que j'étais sorti de la voiture et déjà je commençais à dorer comme un poulet sur la broche. Le bitume était brûlant. Je sautillais d'un pied sur l'autre, la clé de mon père à la main. Je mourais d'envie de me rasseoir dans la Volvo avec sa climatisation arctique et son odeur de voiture neuve. Au lieu de ça, j'ai saisi le sac en plastique sur la banquette arrière et claqué la portière. J'avais pour 50 dollars de vêtements à me faire rembourser. 50 de mes dollars durement gagnés à faire du babysitting cet été, gaspillés pour deux jupes stupides que je n'aurais jamais dû acheter. C'était des mini-jupes plus que courtes et sur moi ça faisait carrément prostituée. Je ne les aurais jamais portées. Et si M ou Jane avaient été avec moi hier, elle ne m'aurait jamais laissé les mettre dans mon panier. Mais hier, comme aujourd'hui, il n'y avait que moi. Eh ben, tant pis. J'ai regardé la voiture vide en me mordant la lèvre. Je déteste être seule. J'ai toujours détesté être seule. Et toujours détesté, détesté. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis jamais allée au cinéma toute seule et que j'envie secrètement les gens qui en sont capables. En vérité, je n'ai jamais eu à être seule. Ma sœur M a toujours été dans les parages, elle ou Jane, ma meilleure amie depuis le CE1. Ou bien les deux. Jusqu'à maintenant Dans la chaleur ambiante, une nouvelle vague de solitude s'est abattue sur moi. La même vague que j'ai ressentie quand nous avons déposé M à l'université la semaine dernière, et à nouveau hier, lorsque j'ai vu Jane embarquer pour Milan. Les deux personnes que je préférais, envolées. Pas pour toujours, je me répétais. Je n'allais quand même pas commencer à m'apitoyer sur mon sort au milieu d'un parking de supermarché. C'est juste pour quelques mois, quatre maximum. Le programme d'échange de Jen se terminait en décembre. À Noël, la vie redeviendrait super, et notre dernier printemps de lycéenne serait génial. En attendant, j'avais toujours le volet. Les entraînements m'occupaient l'esprit, les matchs me donnaient un objectif, et je comptais bien rendre visite à M chaque fois que je pourrais. Ça allait un peu mieux. Alors j'ai verrouillé la voiture et je me suis tourné vers le gigantesque parking, une étendue d'asphalte aussi noire que du charbon, parcourue de lignes blanches, çà et là. Gare-toi tout au bout, m'avait dit mon père en... avec un clin d'œil. J'avais souri et attrapé les clés au volant. Moi aussi je t'aime, papa. Bien sûr que j'allais me garer tout au bout. Il n'y avait pas la moindre voiture à des mètres à la ronde. Maintenant que j'étais à pied, tout au bout prenait un autre dimension. J'aurais pu me garer au fin fond de l'Égypte. Il y faisait si chaud. Au milieu du parking, l'air ondulait au-dessus du sol. Ça me faisait penser à un mirage dans le désert. Mais ce mirage-là semblait s'élever comme un mur de verre tremblotant. Puis il a commencé à rouler. Rapidement, bizarrement, dans ma direction. Le temps d'un battement de cils, l'air devant moi s'est mis à fondre. Il roulait tel une vague de cristaux liquides. Et avant que je puisse prendre une inspiration, la vague m'a englouti en silence. L'air chaud m'entourait comme un étau. Chaque millimètre de mon épiderme s'est mis à hurler. Chaque terminaison nerveuse a explosé. Je suis en train de frire sur un parking de supermarché Cette pensée m'a traversé l'esprit alors que les flammes invisibles s'enfonçaient un peu plus en moi. J'ai voulu crier, mais la chaleur m'étouffait. Elle était dans ma bouche, dans mes poumons, en moi, semblable à une ombre vivante dont je ne pouvais me débarrasser. Du goudron ardent coulait dans mes veines, a rempli ma poitrine, s'est insinué derrière mes yeux. Une ombre plus noire encore que l'asphalte s'est précipitée sur moi. Avec le choc, je suis tombée. Ma dernière sensation a été celle d'un froid glacial, un froid vif, mordant, aussi douloureux que la chaleur quelques secondes plus tôt, et après, rien. Plus de lumière, plus de son, plus d'air. Chapitre 2 Tad, jour 267 Aube. Kevin avait décidé il y a deux jours de déserter. Il était parti en recherche, sans l'aide de personne. Hier, son temps était écoulé. Et aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, c'était une journée pourrie. Sans doute pour lui, et sans aucun doute pour nous, puisque 24 heures après, nous ne savions toujours pas s'il avait réussi ou pas. Tout ce qu'on savait, c'est qu'aujourd'hui, c'était son jour 366, et que sur l'île de Nil, personne n'avait le droit à un jour 366. J'ai ravalé ma bile. Ma course sur la plage, si brutale fut-elle, n'avait rien fait pour me vider l'esprit. En fait, je me sentais encore plus mal, parce que maintenant, j'étais épuisée en plus d'être à bout de nerfs. Ce qui n'est pas une bonne façon de commencer la journée sur Nil. Un mètre avant la lisière de la forêt, je me suis arrêtée et j'ai fait un truc qui aurait scotché mon entraîneur. Je me suis forcée à respirer, à inhaler d'une façon consciente. Focalise-toi sur ta respiration, focalise-toi sur ton esprit. C'était sa petite phrase préférée avant qu'on se lance en montagne. Je n'y faisais jamais vraiment attention. J'ai inspiré par le nez, expiré par le ventre. On inspire, on retient et on expire. Chaque fois, il nous jurait que si on le faisait correctement, notre respiration ressemblerait au fracas de l'océan. Comble d'ironie, maintenant, je n'entendais que ça, le fracas de l'océan. Derrière moi, les avalanches d'eau s'abattaient sur la plage, les unes après les autres. On respire. Une ombre a filé sur ma droite, je me suis retourné aussi sec, couteau en main, sachant pertinemment qu'il qu n'était sans doute trop tard. La forme avait déposé quelque chose devant moi, mon pic d'adrénaline est retombé aussi sec. Super, j'ai dit en regardant l'oiseau mort à mes pieds. Il ne fallait pas, Burton. De tous les chats sur Nil, Burton était celui qui sortait le plus du lot. Il était noir de jais, avec des pattes d'un blanc pur, comme s'il avait marché dans la neige. Non, vraiment, tu peux le garder, j'ai dit à Burton en rangeant mon couteau. Le chat avait l'air contrarié. Il s'attendait à plus. Il y a quelques mois, nous sommes arrivés à une sorte d'accord, Burton et moi. Je lui laisse les restes de poisson, et en retour, il crache, et de temps en temps, il m'apporte une chose morte pour me témoigner de sa sympathie. Rien de tel qu'un cadavre pour bien démarrer la journée, même s'il ne s'agit que d'un oiseau. Brusquement, je me suis sentie pareille à cette pauvre bête. J'étais mort, comme si j'avais passé des heures à fendre la poudreuse, alors qu'ici, sur Nil, la journée ne faisait que commencer. D'ailleurs, grâce à Nil, je n'avais pas touché à ma planche de surf depuis exactement 266 jours. Ma tête remplie de neige, de cadavres et d'exercices de respiration qui ne valaient pas un clou, j'ai parcouru péniblement le sentier qui conduisait au mur. J'y ai trouvé mon nom et je l'ai caressé comme un aveugle lié en braille. Je faisais ça tous les jours. Au fond de moi, je savais que ça virait à l'obsessionnel, mais je m'en fichais. Après neuf mois sur l'île, j'avais bien gagné le droit de pratiquer un ou deux rituels rituel farfelus. Le mur est un mémorial, notre mémorial, même pour ceux qui sont toujours là. Plus je parcourais mon nom du bout des doigts, plus je me sentais apaisée. Au bout de la troisième fois, j'étais presque zen, puis mes yeux se sont posés sur le nom de Kevin, et mon quasi zen a volé en éclats. Cinq lettres et un blanc. Ce blanc me hurlait à la figure, me suppliait de le combler. Mais pour ça, je devais d'abord savoir qui, quoi y graver. Ce vide ignoble est un rappel cruel du fait que je ne savais pas. J'ai fermé les yeux. Ma tête était sur le point d'exploser. Et si moi je me sentais aussi mal, je n'arrivais pas à m'imaginer comment Nathalie tenait le coup. Pas très bien. Je me suis dit en revoyant son visage alors qu'elle titubait dans la cité la veille au soir. À la fois pleine d'espoir et désespérée, elle était perdue comme elle ne l'avait jamais été. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Et ça me donnait envie de me taper la tête contre le mur. Attendre pour faire le deuil, attendre pour les célébrations, se demander si le destin de Kevin n'était pas un avant-goût d'une autre. C'était le jeu favori de Neil, nous torturer l'esprit. Je priais pour que Kevin ait gagné. Dans tout le cas, il était parti et il ne reviendrait pas. Il n'y a pas de prolongation sur Nil. Tad Je me suis retourné. Rive avançait vers moi, l'air concentré, ses dreadlocks rassemblés en queue de cheval. Il tenait une planche de bois poli contre sa hanche. Des nouvelles de Kevin Il m'a demandé, le regardant le vague. Pas encore. Aujourd'hui peut-être. Il avait l'air aussi frustré que moi. Peut-être. On aurait aussi bien pu parler du temps. Tu crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui Peut-être. Conversation inutile sur un sujet qu'on ne maîtrise absolument pas. J'ai regardé sa planche et je me suis souvenu de la houle monstrueuse du matin. Tu y vas tout seul Rive a souri. T'as deviné Sauf si t'es d'attaque. Pendant une demi-seconde, j'ai envisagé l'accompagner. Puis j'ai soupiré. Je ne peux pas. Rive m'a observé. T'es sûre Je peux attendre. Merci, mais non, j'ai promis à Nathalie que j'irai en repérage. Rive ne pourrait jamais trouver quoi que ce soit à redire à ça. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai rappelé. Rive Ouais Fais gaffe, surveille tes arrières, d'accord Comme toujours. Son éternel sourire aux lèvres, il m'a adressé un rapide salut. Rive s'est évanouie dans la forêt. Le ciel était clair, l'air frais sentait le sel. C'était une journée identique aux 266 qui l'avaient précédé. Et pourtant, pas tout à fait. Il y avait quelque chose dans l'air. Ce n'était pas seulement l'attente du verdict concernant Kevin, c'était autre chose, quelque chose de nouveau et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais c'était bien là, je le sentais. Ce quelque chose avait un rapport avec moi. Qu'est-ce que tu prépares, Neil? Je me suis interrogée en réprimant un embryon d'angoisse. Autour de moi, je ne voyais rien d'autre que des feuilles qui volaient au vent. Chapitre 3. Charlet, jour 1, heure inconnue. J'ai été réveillée par une vive douleur à la hanche. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu rouge, littéralement. Des blocs de roches couleur rouille s'étendaient au loin, aussi loin que portait mon regard, certains aussi gros que des bus, d'autres de la taille de voiture, et le reste était comme un gigantesque assortiment de balles, balles de golf, de baseball, de volets. Tous ces rochers aux contours irréguliers et déchiquetés étaient de la même teinte rouge-feu. Quant à moi, j'étais couché sur le flanc. Nus, dehors dans un horrible champ de cailloux que je n'avais jamais vu de ma vie, je me suis relevé tant bien que mal, me suis épousté et j'ai titubé vers le bord. Des graviers tranchants recouvraient la surface du rocher. « Ça explique pourquoi j'ai mal à la hanche », je me suis dit. Deux fois j'ai glissé, mais sans tomber. Mon rocher, en forme de champignon, avec un large pied, était coincé contre un tas d'autres, plus petits, qui évoquaient des chou-fleurs pétrifiées. Je les ai franchis comme des marches, aussi vite que le permettaient les gravillons coupants. Mes pieds ont touché le sol et je me suis terré dans un semblant d'ombre. Immobile contre un roc, j'ai tendu l'oreille. La quiétude environnante n'était troublée que par moi. L'air sifflait hors de mes poumons. Le sang battait à mes tempes. Mon cœur cognait contre ma poitrine. Le silence était si intense, si total, qu'on aurait dit une présence à part entière. Une présence sinistre, presque d'un autre monde. Face à ce paysage rouge et désolé qui s'étendait sur des kilomètres, j'avais l'impression de m'être réveillée sur une autre planète. Je me suis mise à trembler violemment, glacée par une peur que je n'avais jamais ressentie, ou en tout cas qu'une fois auparavant, lorsque M et moi, on s'était fait rentrer dedans par un conducteur ivre. J'avais vu M écrasé contre le volant, du sang rouge vif coulait sur son front jusque dans ses yeux clos. Heureusement, plus de peur que de mal. Je ne pouvais pas en dire autant cette fois ci. J'étais complètement nu, perdu, sans la moindre idée d'où je me trouvais, la dernière chose dont je me souvenais, c'était une at chaleur atroce, un froid brûlant et la douleur. J'ai baissé les yeux sur mon corps, que je m'attendais à voir calciné. Ça avait l'air d'aller. Lentement, j'ai relevé la tête pour l'appuyer contre le rocher. Le paysage rougeâtre restait immobile et silencieux. Au moins le ciel était bleu, un bleu clair et radieux. Peut-être que je suis morte. Je pensais m'être évanouie, mais, après tout, j'étais peut-être carrément morte. Est-ce que cette horrible chaleur marquait le passage vers la mort J'ai observé cet environnement aride et je me suis soudain dit Je suis en enfer. L'enfer était un désert de pierres rouges où l'on se réveille nu et seul J'avais toujours pensé que ce serait plutôt une caverne grouillante d'âmes gémissantes, mais peut-être qu'on avait tous droit à notre petit enfer personnel conçu sur mesure. Pourtant, ça ne donnait pas l'impression d'être l'enfer. Même si j'avais un peu laissé tomber l'église ces derniers temps, je n'étais pas une mauvaise fille. La pire bêtise à mon actif, c'était d'avoir fait le mur pour aller boire des bières sur le terrain de golf avec M. Ce n'était pas si terrible. Ça ne suffisait pas pour m'envoyer directement en enfer, en tout cas. Mon instinct me disait que j'étais en vie. Puis il m'a dit que je devrais avoir peur, très peur. La peur que j'avais ressentie pendant l'accident d'Em m'a envahi de nouveau. J'avais du mal à respirer, comme si je manquais d'air. L'atmosphère était étouffante ici. Autour de moi, rien ne bougeait. J'ai parcouru la zone du regard à la recherche d'un indice qui me dirait où j'étais. Mais je ne voyais que de la pierre, tapissant le sol et formant des monticules ici ou là. Des piles monstrueuses bloquaient mon champ de vision. Il allait falloir que j'escalade, si je voulais voir quelque chose, et devenir ainsi le point de mire de la première bestiole tapie dans la nature. Tu parles d'un choix. D'un autre côté, je ne pouvais pas rester enfermé entre ces rochers éternellement. J'ai rampé jusqu'au plus haut amas rocheux. En me faisant toute petite. Ça m'a rappelé quand je marchais pieds nus sur les fruits épineux du liquide en bar dans notre jardin. Désagréable, mais faisable. Juste avant d'atteindre le sommet, j'ai jeté un coup d'œil discret à l'horizon. Je ne voyais que de la roche. J'ai hésité. La voix de mon entraîneur de volets résonnait dans ma tête. Sers-toi de ta grande taille, Charlet. Utilise-la à ton avantage. J'ai pris une profonde inspiration et après avoir gravi les derniers mètres, je me suis mis debout. Je n'ai pas pu m'empêcher de couvrir de mes bras ma poitrine et mes parties intimes. Je me sentais stupide. J'ai scruté le paysage dévasté. Une forme bleuâtre parsemée de verre s'élevait au loin. Une montagne? je me suis dit avec une lueur d'espoir. Le verre était synonyme de vie et plus important encore d'eau. Le soleil il n'y en a qu'un, Dieu merci. était haut dans le ciel, sans un nuage pour le perturber. Sentant la chaleur sur mes épaules nues, j'ai compris que je devrais m'abriter. Malgré mon teint mat, je finirais par brûler. J'ai regardé à gauche vers ce qui devait être l'ouest. La pente était plutôt douce, pas de montagne. Pourtant j'avais l'intuition que cette route était plus sûre. Suis ton petit doigt, avait l'habitude de dire mon père en se tapotant le nez, ses yeux bruns dorés pétillant de malice. Il m'arrivait souvent de penser qu'en plus de lui ressembler, j'avais en quelque sorte hérité de son petit doigt. Je sentais qu'il fallait aller vers l'ouest. Me retournant, j'ai eu le souffle coupé. À une vingtaine de mètres de moi, le sol rouge s'est mis à chatoyer. Le vent s'est arrêté. L'endroit déjà si silencieux semblait complètement mort sans cette brise. Le chatoiement s'est élevé dans les airs, puis s'est déplacé droit sur moi. Je me suis précipité à droite, cherchant plus à le contourner qu'à le distancer, comme si c'était une tornade. J'ai sauté de rocher en rocher, visant les surfaces à peu près plates, et j'ai fini par rater ma cible. Une vive douleur a explosé dans ma cheville, me faisant trébucher. Quand j'ai levé la tête, le chatoiement n'était qu'à cinq mètres de moi. Il n'accélérait pas, il ne ralentissait pas, il dérivait vers moi. Il fallait que je passe la seconde. J'ai couru comme jamais, laissant derrière moi une trace rouge qui faisait ton sur ton. Une pierre plate a attiré mon regard. Elle dissimulait une petite grotte, ou plutôt un creux dans la paroi, tout juste suffisant pour m'abriter. J'ai foncé vers cette ouverture et me suis replié comme un accordéon dans l'infractuosité. L'ombre s'est abattue sur moi à la manière d'un rideau. J'ai pressé le dos contre la pierre froide en attendant que mes yeux s'habituent à la faible luminosité. Le chatoiement s'approchait, sinistre et silencieux. Quelques secondes plus tard, le mur d'air tremblotant était si proche de moi que j'aurais pu le toucher en tendant la main. Il brillait comme de l'eau derrière une vitre. Un million de petits grains de lumière translucide venant me chatouiller les yeux. Toutes les couleurs étaient là, ondulantes, surnaturelles et iridescentes. Puis la bordure du chatoiement s'est trouvée juste devant moi, aussi fine qu'une lame de rasoir, argentée et cernée de noir. Devant et derrière, l'air était aussi clair et bleu que le ciel. Je suis restée assise, immobile. J'avais peur de bouger, peur de respirer et j'étais surtout terrifiée à l'idée que le chatoiement m'aspire pour m'amener je ne savais où mais il a continué sa route, jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Une seconde est passée, puis une deuxième. Le vent s'est de nouveau levé. La fine poussière rouge virevoltait devant mes orteils, formant des entonnoirs miniatures. Au moment où je commençais à émerger de mon abri, j'ai remarqué qu'un deuxième chatoiement se formait sur ma droite, pratiquement au même endroit que le premier. Sans hésiter, j'ai regagné ma grotte. La poussière ne voltait plus. Le chatoiement a dérivé plus loin que le premier, passant cette fois à quelques mètres de moi. Comme la première fois, il a tracé sa route. J'ai attendu, recroquevillé en regardant la poussière. Le vent s'est calmé. Un troisième chatoiement a balayé le terrain rouge, bien plus loin que les précédents, avant de disparaître lui aussi quelque part sur ma gauche. Il s'est replié sur lui-même, et en un clin d'œil, il n'y avait plus rien. De loin, les chatoiements avaient l'air moins menaçants, moins vivants, mais surtout ils ne semblaient pas vouloir me débusquer. Eh bien. Je me suis dit, si un chatoiement m'a amené ici, peut-être qu'un autre pourrait me ramener chez moi. Alors lorsqu'un quatrième chatoiement est apparu, je me suis précipité vers lui à toute allure, en essayant d'ignorer ma douleur à la cheville. Je me sentais ridicule à galoper dans mon plus simple appareil, mais j'étais déterminée à attraper ce mur d'air ondulant de trois mètres de haut et moitié moins large. Il avançait lentement sur la pierre rouge, flottant à quelques centimètres du sol. « Qu'allait-il se passer exactement lorsque j'allais l'atteindre Est-ce que ça va me brûler ou me glacer ?» Je touchais au but lorsque le chatoiement s'est affaissé en un point noir, qui a disparu à son tour. Le vent est immédiatement revenu à la charge, fouettant mes cheveux avec hargne. Le chatoiement n'était plus là. Debout sur ce plateau étrange, entièrement nu, j'avais l'impression d'avoir échoué sans même comprendre pourquoi. Et étant donné la distance toujours plus grande entre deux chatoiements, je ne courrais jamais assez vite pour attraper le prochain. Mais c'était plus fort que moi. J'ai attendu, en scrutant le sol alentour, à l'affût du moindre mouvement. Est-ce que ça apparaissait sous forme de vagues successives À quelle fréquence Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas plus ce que c'était. D'un coup, j'ai eu pleinement conscience de ma vulnérabilité, sans rien pour me couvrir. Va-t'en me hurlait mon instinct, loin de cet endroit, loin du soleil, loin des regards. Quelque chose me disait que ce plateau était une voie sans issue et qu'il fallait que je bouge. Au premier pas, j'ai grimacé, ma cheville était en sang. Pourtant, il fallait que j'avance. Ma progression était lente et douloureuse, mais j'ai fini par trouver mon rythme. Je faisais quelques pas, ensuite une pause pour prendre mes repères, bien que je n'en ai aucun à vrai dire. Encore deux sur la gauche, puis j'ai sauté pour atteindre un endroit plat. J'étais si concentré sur mes pieds que j'ai failli ne pas voir la tache crème au beau milieu de tout ce rouge. J'ai opéré un détour en boitillant et j'ai trouvé une paire de sandales et un bout de tissu. Non, des vêtements. À côté d'une profonde crevasse, il y avait un short et un bandana, tous deux d'un curieux blanc cassé. Surexcité, j'ai soulevé le short, et quelque chose de brillant a sifflé près de mon oreille, avant de disparaître dans la crevasse. Je me suis demandé ce que c'était, mais je n'allais certainement pas descendre dans ce trou obscur pour aller voir. J'ai tendu le short à bout de bras. L'étoffe était douce et usée. C'était une coupe droite, avec des coutures grossières et une sorte de braguette à lacets un genre de version primitive de Bermuda masculin. Il était déchiré sur le côté, mais tout à fait portable. Cool, j'ai dit. Le mot a retenti dans l'air comme un cri. Je me suis figé, saisie de frayeur, quand j'ai enfin compris que ces vêtements appartenaient à quelqu'un. Quelqu'un qui était peut-être en train de m'observer. De nouveau, au bord de la panique, j'ai empoigné le short, comme une voleuse prise la main dans le sac. J'ai scruté les rochers, chacun de mes muscles était tendu dans l'attente de voir débouler son propriétaire. Tout est resté silencieux. Ce matin, jamais je n'aurais mis des vêtements ramassés par terre. Il faut dire que ce matin, je n'étais pas perdue dans un désert de pierres rouges toutes nues. On ne va pas faire la fine bouche, je me suis dit en enfilant le short. Puis j'ai ri, parce que, comme par hasard, il m'allait. J'ai toujours été maigre, bâtie comme un garçon, avec un prénom de garçon pour aller avec. Alors que toutes les filles commençaient à avoir des courbes, moi je ne faisais que grandir, et grandir jusqu'à dépasser le mètre quatre-vingt. Récemment ma poitrine avait fait un petit effort pour rattraper son retard, l'homo clé étant petit. Mais je n'avais toujours pas de hanches alors le Bermuda, c'était parfait. J'ai enroulé le bandana autour de ma poitrine, version Colanta. Maintenant je n'étais plus nue, je me sentais un million de fois mieux. Les sandales étaient un peu grandes, mais c'était mieux que rien. Les pieds protégés, j'ai pu avancer beaucoup plus vite sur cette marée rouge. Certains rochers étaient instables, d'autres tenaient bon. Le talon de ma sandale droite a rapidement eu l'air d'avoir été trempé dans un pot de peinture rouge. La classe, j'ai pensé, avec ironie tout en regardant où je mettais les pieds. Ces rochers semblaient faits pour les serpents, mais à part moi, rien ne bougeait. Alors que j'essayais de contourner une autre crevasse, j'ai dérapé. Des éclats écarlates ont volé, comme s'ils couraient aussi. L'un d'eux ressemblait à une dague. Je l'ai ramassé, j'ai jaugé son poids, puis je l'ai projeté contre un rocher pour tester sa solidité. Il est resté intact. On aurait même dit qu'il avait abîmé le rocher. Comme dans Pierre Feuille Ciseaux, j'ai pensé. La dague bat le rocher. Je l'ai glissé dans ma ceinture au cas où l'idée de me battre à main nue, armée d'un morceau de caillou en guise de poignard m'a paru si ridicule que j'ai ri. Ce qui valait toujours mieux que pleurer. Cependant, ces émotions étaient si fortes, si brutes, telles les deux faces d'une même pièce, que je craignais de me retrouver en larmes à force de rire. J'ai donc respiré un grand coup et continué ma route. Au bout d'un moment, le rouge s'est changé en noir, comme si du bitume avait été déposé sans jamais avoir été étalé. Des fentes sillonnaient la surface, par ailleurs plutôt lisse. Mieux encore, le sol ne bougeait pas sous mes pieds. Quelques buissons desséchés ont commencé à faire leur apparition. J'en ai dépassé un particulièrement grand, et un zèbre a levé la tête. Est-ce que ça charge les zèbres Par mesure de précaution, j'ai fait un pas en arrière. J'ai cligné des yeux, et le zèbre avait disparu. Super, une hallucination. Et il fallait que ce soit un zèbre. Je n'aurais pas pu rêver de Robert Pattinson, ou encore mieux d'une rivière de boissons énergisantes. J'avais la bouche aussi sèche que le sol craquelé. La pierre a laissé la place à de la terre battue. Il y avait des arbres étranges, aux troncs gris et squelettiques, aux feuilles vertes et épaisses qui pendaient des branches comme des gouttes d'eau refusant de tomber. J'ai aperçu des pins chétifs, puis j'ai entendu le bruit familier de l'océan, distant mais réel. Avant que j'aie le temps de me réjouir, le sol a brillé comme un miroir, et pendant une seconde interminable, j'ai cru voir un nouveau chatoiement. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de regarder de l'eau, une mare d'eau claire de la taille d'une table de ping pong nichée dans le sol noir. J'ai mis mes mains en coupe, et j'en ai bu une gorgée. Elle était froide et revigorante, avec un petit goût de paradis. J'en ai avalé jusqu'à plus soif en me relevant. J'ai remarqué une forme blanche dans le ciel. Je me suis jeté sous le buisson le plus proche pour m'y enfoncer. Parfaitement immobile, j'ai distingué vaguement deux créatures aux ailes blanches avec des jambes. Des jambes humaines. Ce qui ne m'a pas plu du tout. Des hommes oiseaux. Mais où est ce que j'étais tombé? Vingt minutes plus tard j'avais la réponse. J'étais tombé dans le plus bel endroit que j'avais jamais vu. Je me tenais à la lisière du bois, bouche bée devant ce spectacle. L'océan, tacheté de lumière rose orangée, venait de déferler sur une plage de sable noir nichée dans le creux d'une petite baie. Des rochers noirs étincelaient comme du cristal de chaque côté s'élevaient des falaises sombres saupoudrées de verre. Près de moi, des palmiers majestueux oscillaient sous la brise. C'était le genre de beauté à couper le souffle, qu'on ne voit que dans les reportages sur les îles privées détenues par les milliardaires. Merde. Je me suis dit en regardant une vague gigantesque s'abattre sur le rivage. Je suis complètement perdu. J'ai fait un pas et mon orteil a heurté quelque chose de dur. Ma sandale s'est coincée. J'ai baissé les yeux et lorsque j'ai vu dans quoi j'avais mis les pieds, j'ai hurlé. C'était un crâne humain. Chapitre IV. Tad, jour 267, fin d'après-midi. Encore une journée gâchée. Malgré nos trois vols, on n'a rien vu. Enfin, rien de bon je me suis dit en me rappelant les rhinocéros qui broutaient derrière un bosquet. Deux tonnes de joyeuseté fraîchement débarquées sur Nil, avec armes mortelles intégrées, les Vénards. Bref, je redoutais le regard de Nat lorsqu'on lui annoncerait qu'on revenait bredouille. Pour m'ôter cette vision de l'esprit, je me suis concentré sur le vent. Premier coup de chance de la journée. Les rafales soufflaient en direction de la terre, ce qui nous a permis de freiner. Il fallait savoir se contenter de ce que Nil nous donnait. Je ne sentais plus mes bras. J'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. J'étais lessivé et à mon avis Jason aussi. Notre site d'atterrissage se trouvait à moins de 500 mètres entre deux fissures noires. On vise, on baisse, on s'accroche. Le vent de face nous a ralenti et nous avons plané à environ sept mètres du sol. Jason en tête. L'atterrissage c'était une bouffée d'adrénaline, pas autant que le décollage, mais pas loin. Puis j'ai entendu comme un claquement de pétard. Une demi-seconde plus tard, le planeur de Jason s'est mis à piquer du nez. Jason j'ai hurlé Rééquilibre Jason s'est laissé glisser sur la droite, a changé de main, et atterri comme un pro aguerri. Il n'avait que treize ans, mais savait garder la tête froide. Il avait donc des chances d'atteindre les quatorze. Je me suis posé à deux mètres de lui, toujours blindé d'adrénaline, comme si j'étais encore en l'air. Ça va je lui ai demandé. Oui, la tige de soutien s'est cassée. Il m'a montré son planeur, l'une des barres latérales pendait mollement. Alors que je regardais le planeur blessé, j'ai eu l'impression bizarre que cet accident était un message de Nil. Un rappel pas franchement subtil du fait que la mort nous guettait au tournant, comme si on pouvait l'oublier. Quand la tige a cédé, nous étions suffisamment hauts pour nous faire une frayeur, pas assez toutefois pour nous tuer. D'abord l'oiseau mort, ensuite ça. Message reçu. Nil aime s'assurer qu'on a bien compris. On est entré, traînant la carcasse du planeur. On savait que Nathalie nous attendait de pied ferme. Malheureusement, Bart nous a trouvé le premier. Il nous a tendu une embuscade alors qu'on approchait de la baraque. Tad a-t-il commencé de sa voix nasillarde, qui a tout de suite fait exploser mon compteur d'énervement. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas fait de recherche depuis pratiquement un mois, vingt-neuf jours. Bonjour, Bart, j'ai répondu en m'extirpant de mon attirail de vol. Non, nous n'avons pas retrouvé Kevin, ni ses vêtements. Mais merci de t'en soucier. Désolé. Il a vaguement regardé Jason avant de reporter son attention sur moi. Mais il est temps pour moi aussi, et tu le sais. C'est pas juste. C'est pas juste, j'ai répété en m'efforçant de ne pas trop élever la voix. Ah oui J'ai senti la force du sarcasme s'infiltrer en moi, et pour la première fois depuis le départ précipité de Kevin, j'ai pété les plombs. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, rien n'est juste sur Nil. Ce n'est pas juste que tu atterris ici. Ce n'est pas juste que partir se joue à la roulette russe et que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la mort. Et c'est vraiment pas juste que notre ancienne leader, qui s'est crevé le cul pendant des mois pour les autres, soit assise près d'un feu à se demander si son petit ami est mort. Bart a bafouillé qu'il était d'accord avec moi, tout en protestant, mais je ne voulais rien entendre. Pourquoi est-ce que je perds mon temps? J'ai levé la main. Tu as raison. C'est pas juste. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui forme les équipes. Alors, si tu veux que quelqu'un te choisisse, il va falloir te bouger, et pas qu'un peu. J'ai fixé Bart du regard. Ah, et au fait, si tu n'aimes pas les règles de la cité, tu peux toujours t'en aller. Très bien, il a répondu soudain pâle. Tu sais, j'ai pas fait exprès de perdre le couteau, c'était un accident, c'était pas ma faute. Si, c'était ta faute, a intervenu Tala en sortant de la baraque, ses cheveux blonds noués en un chignon serré. Tu ne l'as pas bien accroché, et tu l'as perdu, c'était ta faute. Je me doutais que tu allais te mettre de son côté. Tout le monde sait que tu veux son boulot, ou peut-être que c'est lui que tu veux, haricanait Barth. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi à Tala. et le plus tôt sera le mieux. C'est pas ça que tu veux, toi Ça suffit, j'ai coupé d'un ton sec, trop épuisé pour en supporter davantage. Laissez tomber, tous les deux. Il faut que j'aille parler à Nathalie. Trop tard, a dit Tala. Elle a pointé le feu du doigt. Jason était assis près de Nathalie, le bras sur ses épaules. Elle gardait la tête basse, en signe de défaite. Qu'est-ce que je pouvais détester cet endroit Chapitre 5 Charlet, jour 5 Fin d'après-midi. J'aurais dû être scout, ou ninja, ou mieux encore, une scout ninja ceinture noire d'autodéfense. J'ai eu cette dernière illumination après qu'un énième poisson m'avait filé entre les doigts. Écumer les rayons du supermarché pour me trouver de quoi me préparer un festin de crevettes et de purée, je savais faire mais je n'avais jamais attrapé une crevette, ni écrasé des pommes de terre de ma vie. Je n'ai jamais pêché, ni campé, ni appris à identifier les plantes comestibles, ou à faire du feu sans allumette, et encore moins pris de cours de karaté. Mes stages de volet me paraissaient bidons tout à coup. Épuisé, je me suis affalé par terre. Ce matin, j'ai ramassé un, du bambou et des branches de palmier pour construire un abri au pied des arbres, afin de me protéger du soleil de midi. Je me suis souvenu de mon professeur de géométrie qui rabâchait sans cesse que le triangle était la forme la plus solide de la nature, et je lui ai donné raison. Les bambous ont servi d'armature, les feuilles de toit. Ça m'a pris presque une journée, mais le résultat était plutôt sympa. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour l'admirer. Avec tous ces efforts, j'avais les bras en compote, j'étais cuite, j'avais faim, et j'étais toujours en panique complète. Ces cinq derniers jours avaient été les plus longs de ma vie. Je ne savais pas où j'étais ni comment rentrer chez moi. Je n'avais aperçu ni bateau ni avion. Plus perturbant encore, je n'avais vu personne, du moins personne en vie. J'ai rectifié à contre-cœur. Le crâne humain n'était jamais loin de mes pensées. Ce crâne blanc à moitié enterré, avec ma sandale enfoncée dans son orbite vide. J'avais retiré mon pied d'un coup et j'étais parti en courant. Je ne m'en étais pas approché depuis. Qu'est-ce qui arrivait à cette personne est-ce qu'elle est morte de faim? Est-ce qu'elle a été tuée? Par quoi? Aucune de ces pensées ne m'enchantait. Comment sortir de là? Je n'en avais pas la moindre idée. Tout était lié à ce chatoiement, j'en étais certaine. Mais je n'en avais pas plus vu depuis la plaine rouge. Et croyez-moi, j'ai cherché. Déjà, j'ai trouvé de la nourriture. D'étranges fruits verts étaient accrochés aux arbres, un peu plus au nord. J'ai vu un oiseau en manger, alors je me suis dit que ça n'allait pas me tuer. J'en ai ramassé deux et les ai épluchés. Même s'ils étaient acides comme du citron, je les ai dévorés jusqu'à l'écorce. Pour compléter mon régime 100% fruit, il y avait des ananas et des noix de coco. Avec ma dague en pierre, je pouvais mutiler un ananas en une petite minute. Les noix de coco, elles, étaient plus coriaces. Je perçais la coque, je retournais le fruit et j'aspirais le lait comme si c'était un sprite. Après, je fracassais la noix contre une pierre. Mais les huit que j'avais testées jusque-là avaient toutes refusé de céder. Même ma dague en pierre n'arrivait pas à les percer. Pourtant, ça traversait n'importe quoi, ma cheville par exemple, qui était toujours gonflée et endolorie. Ça me soulageait de la tremper dans l'océan, mais chaque fois que je m'asseyais dans l'eau, les poissons venaient me narguer en exhibant leur beaux corps comestibles. J'avais vraiment envie de poissons, même si ça impliquait de manger des sushis. Comme je n'étais pas capable d'attraper des poissons à la main, franchement, qui peut faire ça Je me suis fabriqué une lance avec les restes des matériaux pour mon abri. D'accord, disons une tige de bambou avec un caillou pointu fixé au bout par une feuille de palmier. Je pourrais peut-être leur mettre une bonne raclée avec ça. La pêche à la lance ça a été un fiasco. Le problème venait peut-être de mon outil tout pourri ou de ma technique minable. Peu importe, au fond, le résultat est le même, pas de poisson. Frustré, j'ai balancé mon œuvre à la mer. La lance a volé au-dessus de l'eau, a ricoché, puis coulé. Super. Je me suis dit en regrettant immédiatement mon geste impulsif. Si je ne trouvais pas de nourriture correcte, je disparaîtrais moi aussi. Je suis sortie de l'eau et j'ai marché en direction du sud. Je vais peut-être trouver un noyer, j'ai pensé optimiste en priant pour que je sois capable de reconnaître les noix comestibles. J'ai traversé l'épais massif de bambou, puis le bosquet de palmiers. La végétation s'éclaircissait à mesure que la baie s'incurvait vers la mer, jusqu'à finir par une falaise austère, noire, imposante, en pierre brute. Près de sa base poussait un arbuste solitaire aux feuilles vertes et brillantes, parmi lesquelles se cachaient des fruits jaunes bosselés. Encore des fruits, j'ai pensé sans enthousiasme, mais au moins ça apportait un peu de variété. L'arbuste avait l'air sain, on ne pouvait pas en dire autant de son fruit jaune couvert de pustules. Quand je me suis approché pour en cueillir un, la puanteur m'a prise à la gorge. J'ai reculé faisant mon possible pour ne pas vomir. J'ai laissé tomber la plante puante et escaladé la falaise. Elle était ponctuée de trous, parfait pour mes pieds. Mes mains. J'ai fini par trouver mon rythme et après un moment, je me suis retrouvée au milieu d'immenses arches. La vue était époustouflante. Le ciel d'azur se découpait dans les ouvertures soulignées de noir d'une beauté absolue. Au-dessous, l'eau sifflait et cognait contre les rochers, recouvrant la pierre noire d'un bouillonnement blanc. J'ai fait un tour sur moi-même, lentement, et quelque chose a attiré mon regard. Quelque chose de lisse dans ce paysage escarpé Sur la plus grande arche, à un terrain de volets de moi, il y avait une zone lisse à hauteur d'yeux. Non, pas lisse en tout cas, pas complètement. La paroi était ornée de fissures trop uniformes pour être naturelles. Intrigué, je me suis approché. C'était une gravure, un labyrinthe tracé dans un cercle parfait et une silhouette humaine en son centre, comme une peinture rupestre. Puis, en l'étudiant, je me suis rendu compte que le la labyrinthe était trop symétrique pour être primitif. Ça évoquait plus ces tracés flippants qui apparaissaient dans les champs de céréales du jour au lendemain. Mais ce n'était pas tout à fait ça non plus. Vu le niveau de détail, ce dessin ne s'était pas fait en une nuit. La figure humaine au centre suggérait que le sculpteur était humain. Ou peut-être avais-je envie besoin de le croire Malgré ma découverte macabre d'un crâne humain, je n'avais pas encore totalement exclu l'hypothèse d'une planète extraterrestre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à effleurer les cercles du bout des doigts et à essayer de leur donner un sens. Suffisamment longtemps pour avoir une crampe à la jambe. Suffisamment longtemps pour que mon estomac se manifeste. Et suffisamment longtemps pour que l'air se rafraîchisse. Le froid m'a sorti de ma rêverie. J'ai levé les yeux et j'ai vu que le soleil était bas. J'allais avoir du mal à retourner à mon abri à temps. Je ne voulais surtout pas me retrouver coincé ici pour la nuit. Sortir des arches rocheuses a été plus long que prévu. La marée me barrait le chemin que j'avais emprunté à l'allée, ce qui m'obligeait à rester plus haut pour éviter de me faire attatiner contre la paroi par l'eau bouillonnante. Quand enfin je suis arrivée à ma planque, je tremblais, et je transpirais et je mourais de faim. Malheureusement, je n'avais que des noix de coco. J'en ai vidé une rapidement, mais j'ai failli m'étouffer avec son lait sucré. J'ai fait ce que je pouvais pour ne pas tout cracher. Je rêvais d'un bagel ou d'une tartine et d'un Sprite, un Sprite frais avec sa glace pilée. Sa saveur citron est juste assez de bulle pour calmer mon estomac. J'ai posé la main sur mon ventre et j'ai frémi. Puis j'ai regardé le soleil se rapprocher dangereusement de l'eau avant de frémir de plus belle. La nuit était un million de fois pire que la journée. Noire, d'une obscurité effrayante, la nuit était synonyme de tremblement, de froid, de peur. C'est absurde, mais j'étais terrifiée par les bestioles nocturnes et pas seulement par les hommes-oiseaux ou les aliens potentiels. Ma plus grande peur, c'était les serpents. J'en ai la phobie depuis que j'en ai trouvé un endormi dans mon roller quand j'avais six ans. Je savais que ce n'était pas rationnel, que j'avais d'autres soucis que les serpents en ce moment. Mais pour autant que je le sache, ce crâne pouvait très bien appartenir à quelqu'un qui avait été tué par une morsure de serpent. J'avais passé les quatre dernières nuits blotti contre un arbre, armé de ma dague, à attendre. Je n'avais pas vu une seule bestiole, mais je n'avais pratiquement pas dormi. Et maintenant, l'obscurité était de retour. J'ai trottiné jusqu'à un gros rocher noir sur le sable et je me suis allongée à son pied pour absorber la chaleur résiduelle du soleil. Pour la première fois, je suis restée sur la plage tandis que la nuit tombait. J'ai regardé les étoiles se lever, les constellations prendre forme dans la nuit claire et j'ai cligné des yeux. J'ai répété La petite ours est l'étoile polaire, plus étincelante que toutes les autres. J'étais sur Terre, mais où et quand J'étais complètement seule. J'ai craqué. Je me suis mise à brailler, comme M. après l'accident de voiture. Enfin, pas tout à fait comme elle, parce qu'il n'y avait personne pour me tenir la main et me dire que tout irait bien. Rien n'allait bien, surtout pas moi. J'ai pleuré jusqu'à me sentir aussi vite que la plage où je me trouvais. Puis je me suis allongée, épuisée. J'avais toujours froid, mais je ne tremblais plus. J'étais comme engourdie. Je venais juste de m'endormir lorsqu'un craquement a retenti comme une alarme. Le bruit s'est intensifié, puis s'est arrêté. Le silence s'est engouffré dans ce vide, plus pesant que jamais. Plaqué contre mon rocher, j'ai tendu l'oreille. Une brindille a craqué, puis une autre, aussi nettement que de l'os sec. Un cri guttural et plaintif s'est réverbéré dans l'atmosphère nocturne. Quelque chose bougeait dans les arbres derrière moi, quelque chose qui n'avait pas l'air humain, quelque chose qui avait peut-être aussi faim que moi.